j'allais dire enfantin, immature, puéril, espiègle, léger. Comme si se plaindre était indispensable à la bonne digestion du repas. L'entrée arrivait, et c'est le père qui ouvrait les hostilités. Et pourtant, j'aurais voulu être un dieu d'âme. Mais j'ai succombé au côté obscur de la force, que manifestement je ne redoutais pas assez. J'ai commencé comme tous les apprentis Jedi, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je vous parle d'un temps que les moins de 100 000 ans ne peuvent pas connaître. À l'issue de ma plaidoirie, vous condamnerez Maître Yoda du chef de meurtre de la langue française, mais vous le relaxerez en ce qui concerne la diffamation alléguée, sans pourtant jamais être d'accord avec les propos tenus, et je m'expliquerai. Dans un premier temps, nous allons voir la question de la responsabilité. Mon contradicteur a dit que Maître Yoda était dyslexique, était malade. Manifestement, Maître Yoda essaye d'échapper à sa responsabilité. Vous n'en ferez rien, parce que Maître Yoda est dyslexique, c'est vrai, mais il a 900 ans, 900 ans de vie, pendant laquelle, à aucun moment, il n'a daigné aller voir un orthophoniste. 900 ans, il est donc pleinement responsable de ses paroles. Que l'on vous dise petit, grand, bête, incapable. C'est faux. C'est faux, il faut croire en vous. C'est une invitation à l'espoir. Si vous courez, cher Forrest, c'est pour faire du bien. Mais courir, aller vite quelque part, c'est aussi être plus fort que les critiques. C'est aller de l'avant sans se laisser toucher par les jaloux. Non, courir, courir, c'est aimer la vie. Courir, c'est entreprendre. Courir, c'est croire en soi. Courir, c'est participer à un projet commun. Courir, c'est essayer, réessayer, réessayer à la manière d'un coureur olympique. Voilà un noble projet. Le grand homme, c'est celui qui a fait de sa vie un destin. Celui qui s'est élevé à des sommets inédits et qui, par son génie, a repoussé toutes les limites convenues.